Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation, une fois de plus, du projet de transport à cordes. Alors, aujourd'hui, je suis content tout d'abord de vous retrouver et je sais que nous pourrons partager une fois de plus un moment intéressant dans lequel nous parlerons du projet du transport à cordes qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Alors, je suis Donatien Gérard et je vous souhaite à tous une bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous commencerons tout d'abord par parler des dernières nouvelles du projet comme à l'accoutumée et nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et sécurité des systèmes de transport actuels et les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community vous offre et quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par cette dernière nouvelle assez intéressante pour tous les investisseurs. USky Transport a achevé la construction d'un dépôt de conteneurs. Au centre d'essai et de certification USky à Sharjah, l'entrepreneur général Azak a achevé la construction du dépôt de conteneurs sur une deuxième piste d'essai de 2,4 km de long. Il fait partie intégrante d'un complexe d'infrastructures de marchandises et de passagers performants. Pour la conception du dépôt de conteneurs, une armature renforcée a été mise en œuvre qui servira d'ancrage pour un système à cordes tendues avec une force allant jusqu'à 2000 tonnes. Par conséquent, le cadre a été vérifié et contrôlé avec des exigences accrues. Le dépôt de conteneurs avec le support d'ancrage est un bâtiment de deux étages, d'une hauteur de 15 mètres et d'une taille de 30,5 fois 11,5 mètres. La superficie totale du bâtiment est de 524 mètres carrés. La zone de construction est de 380 mètres carrés. La construction du bâtiment a des murs et des sols en béton armé, monolithique, autant pour moi, d'une épaisseur de 300 à 400 mm. Et les sols eux-mêmes sont conçus d'une épaisseur de 400 à 600 mm. Toutes les structures sont faites de béton de haute résistance avec 40 sur 20 et 40 sur 10. Nous vous rappelons que les murs porteurs du bâtiment ont été posés en août 2021. Et à partir de ce mois de mars, des travaux sont en cours de superstructures. Sont en cours avec des superstructures, autant pour moi. À la fin des travaux de construction, non seulement les camions U-Conte, mais aussi les U-Portes passagers pourront passer par le dépôt de conteneurs. À l'avenir, le complexe aura une capacité de 50 000 passagers par heure et jusqu'à 100 millions de tonnes de marchandises par c'est énorme. La durée de validité des coupons x2 pour la participation au challenge de Skyward Community. La durée de validité des coupons x2 pour les participants à cette promotion a été prolongée de 7 jours supplémentaires. Cela signifie que tous les coupons reçus le 3 novembre 2022 et mis en œuvre avant le 17 novembre seront de retour aux participants. Les dates d'émission des coupons suivants sont modifiées en fonction des nouvelles conditions.
Les participants recevront le 17, 11, le 24 et le 1er décembre. Nous vous rappelons que pour chaque émission, le nombre de coupons x2 que le participant a réalisé pendant la période précédente, la nouvelle émission est prise en compte. C'est-à-dire que le 24-11, nous allons émettre autant de coupons que ceux qui ont été réalisés au total de coupons obtenus le 17, etc. Si vous n'avez pas réalisé au moins un coupon après la prochaine émission, votre participation à la promotion cesse. S'il vous plaît, notez ceci. Le fait d'utiliser le coupon par vous-même ou le fait de donner des coupons est pris en charge. Si l'utilisateur à qui vous avez donné le coupon ne l'a pas utilisé, vous serez toujours crédité de ce même coupon. De plus, à partir du 3, le seuil d'investissement de 500 dollars pour les coupons donnés a été retourné. À présent, les coupons x2 obtenus d'un partenaire ne peuvent être appliqués qu'à un investissement de 500 dollars et plus. Pour les coupons x2 reçus de l'entreprise, les mêmes conditions s'appliquent, ce qui signifie que les coupons peuvent être utilisés sans limite et appliqués à tous les standards. Pour pouvoir voir vos coupons dans votre back office, il vous suffit d'aller dans la section Mes investissements, mes coupons. Alors, les jeunes scientifiques et étudiants de l'Institut de Vidyalankar ont visité U-Sky Transport. Le centre d'essai et de certification U-Sky a organisé une visite guidée de U-Sky pour les étudiants et les professeurs de la faculté des technologies de l'information de l'Institut de Vidyalankar pour l'éducation internationale, Mumbai en Inde. Les jeunes professionnels ont apprécié les technologies innovantes présentées dans le centre. Dans le cadre de la visite, les invités ont visité la maison U-House vers la société U-Sky Transport, qui est un bureau unique aux Émirats arabes unis entièrement construit en bois. Lors de sa création, toutes les normes de sécurité incendie nécessaires ont été prises en compte, combinées aux tendances mondiales en matière d'architecture. Depuis, le centre U-House, les étudiants ont observé les pistes certifiées et les premières et deuxièmes étapes de la construction. Les visiteurs ont examiné de près le modèle actuel de la ville linéaire U-City, intégrée à des complexes de transport et d'infrastructures utilisant la technologie brevetée U-Sky. Un représentant de U-Sky Transport a expliqué aux étudiants le concept de construction d'une ville linéaire respectueuse de l'environnement avec des transports en commun innovants et une économie développée. Après la démonstration du phare écologique U-Sky Transport, U-Flash, à grande vitesse, les étudiants ont posé avec enthousiasme de nombreuses questions sur le transport à cordes. Plutôt, les spécialistes de U-Sky Transport ont rencontré des étudiants de l'Université de Tunis Carthage, du Collège des Beaux-Arts et du Design de l'Université de Sharjah, des jeunes candidats de la Fondation Rubu Khan et des étudiants de l'Université Pandis Dindayal. U-Sky Transport est ravi de partager son expérience avec des jeunes gens talentueux et les inspirer à développer de nouvelles technologies et concepts prometteurs pour améliorer la qualité de vie des gens dans le monde. Alors, nous parlons ici de la technologie de transport à cordes. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution innovante au problème de transport moderne, urbain, de marchandises à grande vitesse et à hyper vitesse. Il s'agit d'un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie n'ayant pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie russe, appelée Ignium, produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une escapade ajourée avec un wagon suspendu. Cette situation que nous voyons ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes,
1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de terrain affectent les lignes. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous avons ici les deux premiers problèmes majeurs du transport actuel. La surcharge de voies de transport qui cause donc les embouteillages, ainsi que le manque de sécurité causant la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Alors le poison donc, autant pour moi, le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Le prochain majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du temps moderne en électricité, il faut le savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi, nous avons là le quatrième problème, qui est celui de réduire la forte consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine aujourd'hui, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre. Parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. C'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, okay, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues roulées par les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre, ce système de transport, avec le téléphérique ou le funiculaire, non. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble des voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant d'y aller, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes, les villes linéaires, éco-maisons et ports maritimes. La mise en place du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Alors, ici nous avons affaire à une éco-maison qui est tout un oasis en plein désert. Je me souviens toujours quand je fais un tour à Sharjah où je suis passé devant cette éco-maison, c'est vraiment magnifique. C'est une maison écologique qui produit elle-même son une électricité à partir des panneaux solaires, comme on peut le voir. On peut faire de l'agriculture sur le toit. Il fait très, 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 très beau vivre. Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir y vivre de façon paisible. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que ferroviaire et autoroute, aviation également. Alors, Lise. Fixons-nous le problème maintenant qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre,
Il est nécessaire de déplacer l'énorme masse de sol et de changer la faune et la flore également. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement, l'eau ou la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux en ce moment-là, on va plutôt poser le câble. Ensuite, les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, nous les plaçons donc dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi, OK, à quoi ressemble cette structure en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On peut voir là, OK, la tête du rail en acier, les cordes, OK, qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On peut voir l'agent de remplissage qui est un béton spécial, béton flexible. Et aussi le corps du rail, autant pour moi. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, semi-rigide, autant pour moi, qui supporte des véhicules ayant une vitesse entre 50 et 250 km/h. Les rails rigides pour des véhicules de 100 à 500 km/h. Et les rails flexibles, 30 à 150 km/h. La conception du châssis est celle-ci. On peut voir là les convertisseurs de tension, les inverseurs de moteur, batteries d'accumulation, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier que la conception a un système anti-déraillement spécial. Regardez les dimensions du rail semi-rigide et flexible sur cette image. Ici, nous avons un photomontage qui montre les vrais aubans supportant le pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, donc, nous pouvons nous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ici, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo, OK, prise à Sharjah. D'accord. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques des rails en acier sur le rail, sur la roue en acier sur le rail en acier. Alors, je vous disais tantôt que j'étais très content d'avoir fait un tour du côté du Sharjah pour voir le centre d'Est. OK. Et ceci, c'est une photo que j'ai pu prendre sur place devant cette unique art tropicale. Très bel enjeu. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons déjà aux photos qui nous sont familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Alors, sur le transport de second niveau, les fusées de dessus n'ont pas d'effet.
La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature. Alors, pour cette raison donc, OK, le transport à grande vitesse U-Flash peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous rappelions les problèmes liés au transport moderne. Nous verrons comment le transport à cordes vient résoudre ces différents problèmes. Les surcharges des voies de transport, manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes du transport à cordes que Yuskaï offre est peu en vert. Nous avons donc la certitude en termes de coût du capital, le coût des opérations, consommation d'énergie, taux d'accident de transport et pollution de l'environnement que Yuskaï a la solution la plus optimale. Le graphique montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements les terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Nous pouvons donc dire que le transport U-Sky de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut investir dans le projet. OK? Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan d'investissement pratique aussi est mis sur pied qui permet de diviser le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs avec nous, dont le projet, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Que gagnerez-vous donc de votre participation à ce système de transport? OK? Des dividendes. Tout d'abord, la mise en œuvre réussie de ce projet vous permettra de recevoir des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise chaque année. Le rachat d'actions. La société peut décider d'annoncer le rachat des parts. Elle l'a déjà fait en 2018 avec les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un prix allant à jusqu'à 10 fois. L'héritage. Les actions. Les actions que vous avez, autant pour moi, sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. Et la vente d'actions, la valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. OK? En cas de décision de la société de participer donc à l'échange boursier, vous pourrez avoir la possibilité de revendre ces actions-là. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoli Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. OK? C'est une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements personnels peuvent être trouvés sur le site de l'ingénieur unitsky.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillé. Ici, il est question des différents types de systèmes de transport pour les passagers qui existent dans la technologie. OK? Nous avons près de 11 modèles de transport pour le transport des passagers et 4 modèles pour le transport de marchandises. Donc, le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et au-dessus de la surface de la Terre sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles pour le transport à cordes. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Au début de 2020, okay, le transport à cordes a été présenté à
18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré d'énormes attentions. Ses photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Je tiens à rappeler que nous étions encore présents sur transport à l'exposition InnoTrans 2022 à Berlin. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de YouSky. Bien évidemment, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport accorde à passer les tests peuvent être trouvés sur le site uniski.engineer. Ici, nous avons le certificat correspondant qui a été délivré par TUVSW, celui que détenait le CEO tout à l'heure. La technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats, brevets et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Uniski Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, elle emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers urbains et interurbains. L'agent des investisseurs a permis de construire un écosystème. OK, un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en République de Biélorussie. Et chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau y est montré, d'accord? En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis. Ce centre est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Regardez comme c'est beau. Il ne fait aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre dans un avenir pas si lointain. Il s'intégrera naturellement dans le paysage et ne nous surprendra plus, comme le fait le métro ou le tram. Alors, nous pouvons donc dire, en guise de résumé, que le transport à cordes aujourd'hui, dont nous avons parlé, est un transport innovant, qui se déplace au-dessus du sol, bien évidemment, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Comme à l'accoutumée, avant de vous laisser, je vous laisse cette vidéo de présentation, OK, des différents véhicules utilisés dans la technologie de transport et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news sur le projet. Bonne soirée. Thank you.